comme on dit, la légende vous rattrape. Et la légende ce soir, c'est ce Bastia Saint-Etienne. Vincent, il peut donner. Van den Kerkhoff, oh, il s'en est fallu d'un poil. Il a de Saint-Etienne. Et les Bastiais, oh super, Van den Kerkhoff. Oh, allez, voilà, oh, là, là, Miguel Alfarel. Et celle la manche qui aura télé contrôle. La meilleure action. Elle va revenir, elle va revenir avec Van den Kerkhoff encore. Nouveau centre et il frappe sur le petit filet extérieur. Allez Doumégui, Gacciamistuallo, Lampa davanti. Oh s'il arrive sur le contrôle, c'est difficile. Il va gêner le gardien. Bien joué. De Saint-Etienne. Allez à la frappe. Kylian Caïbou. Très très haut. Second poteau. Oh mais qu'est-ce qu'il nous rate ? Qu'est-ce qu'il nous rate ? Christophe Vincent Gueusegondu. Il en avait raté une déjà pour Caïbou. On est à 3 minutes de la mi-temps. C'est mal frappé, mais c'est récupéré par Caïbou. Ça fait rien. Allez, deuxième chance. Caïbou, c'est plus haut. Ah, la tête de Djoko. Ça passe au-dessus. Et Bastien avec. Allez, Alfarel, il y a du champ à droite. Le voilà, Van den Kerkhoff. Il faut s'appliquer. Il préfère frapper. Oh, le poteau. Le poteau frappé par Van den Kerkhoff. Le gardien Gauthier Larsener, surpris par ce tir. Tout le monde pour les Bastiais. Et voilà, c'est la fin de cette première période. Toujours sous les ordres de monsieur Belagi. Le coup d'envoi de cette deuxième mi-temps. Ah, coup d'envoi, sifflet intempestif, c'est parti. Balle qui doit donner cette dernière balle. Van den Kerkhoff, le défenseur et attaquant le plus dangereux. Il centre devant la cage. C'est récupéré quand même par Bonner. Il va frapper. Oh, le gardien, qu'est-ce qu'il enlève. Gaëtan Larsener, Gauthier Larsener. Cette frappe de Florian Bonner qui a failli inscrire son premier but sous les couleurs du Sporting. Après un centre venu de la droite de Van den Kerkhoff, très fort devant les buts. Là, on est mieux rentré dans le match. Il est mieux rentré, Van den Kerkhoff. Oh, pénalty. Pénalty. Voilà, Fofo Félix. Ah oui. Ce que vous vouliez. Il est bien rentré. Non, c'est net, hein. Il est bien rentré, non, Van den Kerkhoff. Ouais. Larsener. Ils sont face à face. C'est sifflé. VDK. VDK. Un but à zéro pour le Sporting. Et ils vont tous derrière lui au point de corner. Uno nanta l'altro avec les remplaçants. Charlot, Fanfan, ça doit vous rappeler beaucoup de souvenirs et de belles choses. Van Kerkhoff, moi je vois Van Kerkhoff comme un grand joueur, franchement. Sur le côté gauche pour Bonner. Bonner, il est passé, Bonner. Bonner en retrait pour Djoko. Il ouvre son pied, ça passe à côté. Fais-nous quelque chose, Miguel Alfarel, là. Djoko, Alfarel, là dans la surface, il va frapper, il est contré. On va aller le chercher, ce deuxième but, avec San Lamange au second poteau, c'est dégagé. Allez, Ducrot. Ducrot pour frapper. Oh, oh, c'est fantastique. Oh, ce qu'il vient de faire. Oh, ce qu'il vient de faire. Et je crois que c'est Tom Ducrot. Oh, ce qu'il vient de faire. Tom Ducrot. Il va s'envoyer en l'air là-bas. Et passez-moi l'expression. Avec les spectateurs. Il est dans la tribune pratiquement. Tom Ducrot. Il nous a contrôlé la balle. Il nous a remis une reprise de volée qui a survolé. C'était un avion de chasse. La lucarne de Larsener. 2 à 0 pour le Sporting. Incroyable but. Énorme. C'est du Fofo Félix, ça. Bon but, hein. Allez, santé. Regardez qui part. Qui c'est qui part? C'est VDK. C'est Van den Kerkhoff. Il est dans la surface. Vas-y. Il va frapper. Et le gardien qui sort ce ballon. C'est le jeu, hein. Attention, Saint-Etienne dans la surface de réparation. Oui. Johnny Placide, le sauvetage énorme de Johnny Placide qui va chercher ce ballon après. Quel magnifique arrêt de Johnny Placide. Bonner, Caïbou. Faut le garder un peu. Caïbou, il centre. Allez, Bailly. Oh, Bailly. Oh, l'occasion. Ah, la tête de Bailly est trop pouillou. Oui. C'est frappé, le coup franc pour Saint-Etienne, attention. Allez, Placide, pas dans les pieds. Les filets, ils tremblent, mais c'est un joueur de Saint-Etienne. Bastia mène 2-0. C'est la fin de ce match. Regardez Doumégui,
le capitaine qui s'en va embrasser Johnny Placide. Regardez les Bastiais s'embrasser. Cinquième victoire du Sporting en 6 matchs. Plus un nul. Une belle série. Juste avant d'aller à Caen.